poteau de l'FC avec notre invité Mostafa Badri, le grand patron du quotidien Al Mutarab. C'est un peu l'équipe, le parallèle avec le journal quotidien sportif qu'on trouve en France. Ben, primo, je ne suis qu'un collègue, je ne suis qu'un journaliste comme vous, comme le Saïd et comme Nordine. Hein, c'est la question. C'est un quotidien comme équivalent. Un quotidien, c'est il est bi-hebdomadaire qui existe depuis 30 ans. On avait fêté les 30 ans le 29 octobre. Et on est spécialisé un petit peu presque à 90% en football. Et c'est le créneau sportif le plus vieux au Maroc, enfin dire le plus ancien. Mais grâce à Dieu, on essaie d'être honnête, correct. J'exige beaucoup de respect dans, chez notre staff et on n'a pas à se plaindre. La preuve, c'est qu'on ne peut pas rester 30 ans. Hein. D'accord. Nous avons Saïd Afizi qui est avec nous. Un tout petit peu enrhumé parce que… Il a fait son footing en t-shirt ce week-end. C'est une chose qui arrive. Et Nourdine Sali qui est avec nous. La question de l'FC. Bientôt le Lion d'Or. Hein, oui, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Qui, selon vous, remportera la CAN des U23? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi afc@africa24tv.com. Alors, CAN des U23 au Sénégal, nous allons analyser les premiers résultats juste après ce jingle. Donc, 4 matchs pour l'ouverture, samedi 28 et dimanche 29, résumé avec la rédaction d'Africa 24. L'action des moins de 23 ans se poursuit dans les villes de Dakar et Mbour au Sénégal. Un début de tournoi riche en buts. Dans le groupe A, entrée en matière réussie pour le Sénégal, les Lionceaux de la Teranga se sont imposés 3-1 face à l'Afrique du Sud en ouverture le samedi 28 novembre à Dakar. La Tunisie a également réussi ses débuts dans la CAN des moins de 23 ans en s'imposant 2-1 face à la Zambie. Dans l'ensemble, on va dire que cette CAN U23 propose du jeu de haut niveau avec des sélections qui sont très très bien préparées pour aller chercher ces 3 billets qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et dès l'entame de la compétition, on a vu forcément de belles intentions. Les équipes sont vraiment d'attaque et ils essaient de proposer du jeu, ils essaient de faire du spectacle. Le dimanche 29 novembre à Hambourg, dans le groupe B, le Mali a été battu par le Nigeria 3-2, mené 3-0 par le Nigeria à la mi-temps. Les Aiglons ont effectué une folle remontée en seconde période, sans toutefois parvenir à l'égalisation. Pour le deuxième match de ce groupe, l'Algérie et l'Égypte se sont quittés sur un score de parité, un but partout. Je crois que toutes les équipes se valent dans cette compétition-là. C'est vrai qu'il y a certaines qui sont plus devant les autres, mais dans l'ensemble, c'est des équipes qui se valent bien. Et puis, ça confirme le progrès fait par ces formations, le Nigeria, le Sénégal, le Mali, notamment dans la formation des jeunes joueurs. Au total, 14 buts ont été marqués au premier tour de cette CAN U23. La deuxième journée démarre mardi 1er décembre 2015. Elle sera marquée par des matchs décisifs pour certaines équipes, telles que le Mali, favori dans ce tournoi continental. Ces équipes essayeront de renverser la tendance. Objectif, chercher à décrocher leur ticket pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Oui, monsieur, 14 buts déjà. Alors pour le groupe A, mon cher Nourdine Sali, 14 buts pour les deux premières journées, avec la victoire du Sénégal, la victoire de la Tunisie, la victoire aussi du Nigeria et le match nul entre l'Égypte et Algérie. Rien d'étonnant, voilà d'abord d'ailleurs le tableau. Pour le groupe A, vos commentaires, Nourdine ? Il y a une petite erreur, c'est la Tunisie qui est deuxième, pas la Zambie. Hein. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, je pense que oui, déjà, on se régale parce qu'il y a des buts, ce n'est pas des matchs fermés, c'est des matchs que on prend du plaisir à voir. Il y a du talent, il y a du niveau, il y a de l'engagement, il y a du public et on sait très bien, c'est une compétition comme tu le sais très bien, à part parce que tout le monde, c'est pas le sacre, c'est pas le vainqueur qui est intéressant, mais je pense tous les quatre, hein, déjà le podium, ça va jouer jusqu'au bout, avec la quatrième, comme tu le sais, il va jouer un barrage avec une équipe de l'Asie pour les Jeux Olympiques. Donc on va avoir du spectacle jusqu'au bout. Oui, je ne sais pas si Mostafa sera d'accord avec vous, je reviens vers vous tout à l'heure, Mostafa, nous allons demander à Saïd de commenter le groupe B, les résultats Égypte-Algérie, un but partout, et Mali-Nigeria, 3-2 pour le Nigeria. Je voudrais juste une parenthèse, et comme le disait Nourdine, c'est bien la Zambie qui a perdu devant la Tunisie. Hein. Donc Tunisie 2, Zambie 1.
On voit le tableau, Saïd, quelques commentaires de votre part. Bon. Égypte et Algérie, vous pensez qu'ils sont du même niveau? L'Égypte et l'Algérie sont grosso modo du même niveau. L'Égypte est un peu plus habituée à ces compétitions-là. Ils ont été même déjà, d'ailleurs, dès la première, cette compétition, il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'elle est assez récente. La première édition avait lieu au Maroc. L'Égypte était déjà là. Donc c'est une équipe qui connaît ce niveau de compétition-là. On voit qu'il y a beaucoup de buts. Mais on a l'habitude, dans ces équipes jeunes africaines, l'Afrique a une tendance à l'offensive, au beau jeu, à la technique. C'est en montant en âge, petit à petit, que les entraîneurs dits européens, etc., viennent stéréotyper un petit peu le jeu, nous font jouer à une manière un peu plus européenne. Mais au début, on a cette folie, cette envie d'aller vers le but et cette envie de marquer. Mais avec le temps, ça va s'estomper. Ouais, et Mali ? Le Mali, ça faut pas devant le Nigeria. Oui, Mali, c'est un peu, disons, une surprise de les voir perdre. On s'attendait à beaucoup mieux. C'est un travail qui est fait de longue haleine. On sait que c'est une génération qui monte en niveau. On les suit depuis longtemps. Le Mali a entamé un travail de fond déjà avec les U17. On les a vus à la dernière Coupe du Monde de jeunes. Là, on les voit ici. On s'attend à beaucoup mieux. Mais le Nigeria est un spécialiste de cette compétition-là. Mmh. Ouais. Ouais. Alors, messieurs, je ne sais pas si Mostafa sera d'accord avec vous deux. Hein. Ouais, sûrement, je serai d'accord avec vous. S'il n'est pas d'accord avec nous, on va s'incliner. Non, mais c'est juste, je voulais quand même encore ouvrir une autre parenthèse. Monsieur Nordine vient dire qu'il y aura le barrage. Je ne pense pas qu'il y aura le barrage cette année. Cette fois-ci, il faut s'en assurer. Il y a juste 3 qualifiés d'office. Et puis s'arrête là. Je ne sais pas, il m'a semblé l'avoir lu quelque part. Ouais, ça avait révélé. Il faut s'en assurer. Oui, Secondo. Oui, Nouredine disait que l'essentiel n'est pas de gagner. Oui, mais je reviens. Et la deuxième fois, ça me fait mal au cœur de voir des jeunes pratiquer un très bon football avec des gradins vides. Ça, c'est notre fléau en Afrique, c'est notre problème en Afrique. C'est ces jeunes-là qui ont besoin d'être encouragés. J'espère que l'influence va changer. En ce qui concerne ce qu'il a dit Nordine, c'est l'essentiel, c'est de se qualifier, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut se qualifier, sinon, parce que c'est le U-23, c'est des éliminatoires en plus de la Coupe d'Afrique. Au bout de chemin, tu as la qualification pour les Jeux Olympiques, pour le Rio de Janeiro, et tout le monde rêve d'aller jouer au Brésil. Hein. Et je pense que remporter la Coupe, ça va être la cerise sur le gâteau, mais en principe, c'est la qualification qui est très importante. Et pour moi, la qualification, comme tout à l'heure, on en discutait, nous trois, en ce qui concerne le football marocain, mais j'ai dit l'essentiel, Zaki n'a pas fait du spectacle, j'ai dit non, mais écoute, dans ce cas-là, il faut se qualifier, il faut glaner des points, le reste, ça viendra par la suite. Et là, c'est vrai que la qualification est plus importante. Oui. En tout cas, je connais quelqu'un qui n'ira pas au Brésil l'année prochaine, c'est bien Nouredine Sali. En tout cas, on fera le maximum pour qu'il n'y aille pas, pour des raisons à titre privé. On voit quand même que ce sont toujours les mêmes pays quasiment qui participent à ce stade de la compétition, comme nous allons le voir avec des images, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Zambie, la Tunisie, l'Égypte et puis l'Algérie. Et peut-être quelques images. Non, si nous n'avons pas les images, nous allons tout de suite écouter Mohamed Traoré, justement, notre éditorialiste qui nous parle de ses premières rencontres. Sur le papier et par rapport aux différents résultats des jeunes de ces dernières années, bien évidemment, le Sénégal est une équipe favorite. Elle était aux Jeux Olympiques, d'ailleurs, il y a 4 ans. Il y a le Nigeria aussi qui, en compétition de jeunes, a toujours prouvé quelque chose. Le Mali aussi prouve qu'elle a une équipe en devenir parce qu'il s'agit de sa 5e participation aux compétitions CAF. Et d'ailleurs, c'est l'une des seules équipes qui a placé sa sélection dans toutes les compétitions de la CAF cette année. Donc, je pense que ce sont ces 3 pays qui se dégagent. Après, on a aussi l'Égypte qui revient. Bon, ils ont fait un match nul contre l'Algérie hier, mais on va suivre aussi cette équipe-là et savoir ce qu'ils ont approuvé sur l'échiquier continental. Voilà, alors messieurs, Sénégal, Zambie, Mali, qui sont également là, donc ce sont des clubs aussi prestigieux, nous avons vu les résultats, nous attendons mieux de la part surtout du Mali, et puis l'Afrique du Sud, Tunisie, Égypte, Algérie, l'Égypte en quelque sorte qui revient, Nouredine. Hein.
On est tous très, très heureux. Oui, enfin, vous savez… Pourquoi? À cause des problèmes, hein. Entre autres, je veux dire, le réservoir de l'équipe A, parce que c'est l'équipe, cette équipe des moins 23 ans, il frappe à la porte des A, puisque c'est des joueurs qui sont pratiquement, qui ne jouent pas dans la même catégorie, comme je l'ai signalé tout à l'heure par rapport à la chaîne. Mais l'Égypte, c'est un réservoir, l'Égypte, c'est une formation, l'Égypte, c'est toutes les catégories jeunes, on les retrouve dans les différentes compétitions. Donc, une équipe qui est venue pratiquement à 100%, voire 200% des joueurs locaux, ils savent ce que ça veut dire, ou bien se frotter avec le haut niveau. D'accord. Alors, juste une parenthèse, hein, je disais que vous n'irez pas au Brésil à cause de la plage de Copacabana que vous appréciez beaucoup. En tout cas, tu m'as privé en Coupe du Monde, tu ne vas pas me priver en Coupe des Jeux Olympiques. Restons dans les parenthèses et disons que l'Algérie va s'accrocher parce que ça fait 35 ans qu'ils n'ont pas été aux Jeux Olympiques. Ça fait 35 ans. Oui. Donc, ils vont tout faire. Le niveau, il est très… on va dire, il n'y a pas une grosse équipe qui se détache un petit peu, c'est Yves. Oui. Alors, avant de mettre un terme à cette deuxième partie d'émission, Saïd, je voudrais vous interroger sur Christian Gourcuff qui a décidé de poursuivre avec l'Algérie. Un petit mot ? Oui, apparemment, il aurait reçu le soutien d'un certain nombre de cadres de son équipe nationale. On pense à Brahimi, Slimani, etc., qui lui auraient témoigné son soutien. Il y a eu cette grosse réaction de la sélection algérienne contre la Tanzanie à domicile, qui a écrasé véritablement la Tanzanie. Donc ça a mis du baume au cœur à Gourcuff. Il a attendu d'avoir un rendez-vous avec son président de la fédération, M. Raouraa. Il a émis un certain nombre de demandes, notamment concernant la presse, etc. Donc ces demandes apparemment ont été entendues et donc il souhaite continuer à la tête de cette sélection. Voilà, bien le plus grand perdant c'est Hervé Renard. Hein, parce qu'il était à la porte, hein. Hervé n'aurait pas dû partir. Hein. Bah, il aurait dû rester. Gabon aujourd'hui, je pense. Il aurait dû rester à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est dommage pour lui. En tout cas, fin de la deuxième partie de cette émission, on revient tout à l'heure et puis nous allons parler de Zinedine Zidane. S'est-il mis tout seul sur la touche? Eh bien, nos experts vont analyser pour vous. À tout à l'heure.